C'est juste, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, une petite pierre jetée dans une mare de besoin. Et c'est chaque sans masque traditionnel avec 100 masques chirurgicaux, plus de deux dispositifs de lavage de mains que nous avons apportés ce midi, cet après-midi plutôt au Saint-Faut pour cette lutte qu'ils mènent vraiment de façon charmée. Le besoin est grand, on entend sur le terrain tout ce qui se passe, les agents de santé qui tombent sous le coup de cette maladie. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être protéger les malades qui viennent. C'est pourquoi nous avons offert en majorité les masques traditionnels pour surtout les malades qui viennent à l'hôpital et pour les populations reculées qui n'en portent même pas. Donc c'est la raison qui nous a poussé à venir ici. Il faut dire que ce n'est pas toute la jeunesse catholique, mais c'est juste le bureau du Conseil de coordination de l'action catholique des jeunes qui a fait ce don. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées au sein de la jeunesse elle-même. Genre la GEC qui a lancé actuellement une opération 5000 masques pour la question du Covid. Donc voilà, juste pour dire ce que nous sommes venus faire. Merci.